Dans la France, dans le pays qui est au fils de Conakry, j'ai été convaincu que l'Assemblée générale n'aurait pas eu lieu. Je suis heureux de vous traiter toutes les années avec une grandiose mobilisation. Je me dois de vous adresser les vives félicitations et vous dire que je suis rassuré que le 2 août, quel que soit le temps qu'il fera, les militants et sympathisants des partis de l'opposition républicaine, les citoyens de Conakry, de Dubéka et de Koya, épris de paix, de justice, de démocratie et de bien-être, vont tous se mobiliser pour prendre la rue et exprimer leur ras-le-bol. Parce qu'aujourd'hui, sous la pluie, vous êtes venus massivement. Et je vous invite donc à vous mobiliser pour que le 3 avril ne soit pas qu'on comprenne que nous avons marre de cette mauvaise gouvernance qui crée de la misère, de la division et qui remet en cause la démocratie, les libertés fondamentales et surtout le bien-être de nos populations. Le 3 avril, j'ai dit en votre nom que ce sera une marche pacifique sans précédent. Nous avons déjà pris les dispositions pour inviter la presse internationale pour venir couvrir l'événement et quel que soit le temps qu'il fera, les citoyennes et citoyens de Conakry, je sais, viendront le 2 août, je m'excuse, c'est le 2 août, c'est pas le 3 août. Le 2 août, mercredi 2 août, toutes les citoyennes et tous les citoyens de Conakry qui veulent qu'il y ait le vrai changement, qui veulent de la démocratie, de la justice, de la sécurité et d'une vraie amélioration des